Donc, peux-tu te présenter? Alors, Yann Talbot, 47 ans, marié, 2 enfants. Alors, comment es-tu arrivé au STB? Alors, d'abord, mes enfants ont commencé le basket au STB. Et puis, après, le basket, c'est étant une passion, j'ai continué. Et puis, il y a une personne qui m'a demandé par la suite pour devenir bénévole, qui est François Hioux, qui est le président de l'association actuellement. Alors, quelles sont tes tâches que tu réalises actuellement avec le club? Alors, les tâches au sein du centre de formation sont d'emmener les jeunes un week-end sur deux lors des déplacements, conduite des minibus, et que sur les matchs à domicile, de préparer les repas d'après-match pour les deux équipes. Et ta femme dans tout ça? Alors, ma femme, justement, elle m'aide, parce qu'à la préparation des repas, elle est présente aussi les matchs à domicile et certains à l'extérieur quand elle peut. Et puis au niveau des maillots aussi, elle s'occupe du lavage. Alors, as-tu un meilleur souvenir justement avec le STB au niveau des jeunes? Alors, un souvenir, oui, c'était quand on était en Espoir Pro encore. Un déplacement à Monaco, où on est parti de très bonne heure le matin et rentré très tard dans la nuit, avec un changement d'aéroport entre le départ et l'arrivée, où il a fallu prendre le RER, enfin un vrai périple. Et éventuellement un meilleur souvenir avec les pros? Un bon souvenir, c'était la semaine des As au Havre, où là on a eu des beaux matchs de basket. Un dernier mot au remerciement? Oui, un remerciement à tous les jeunes du centre de formation, présents et puis qui sont passés, parce que certains je les suis encore sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai une bonne relation et je passe de bons moments avec eux.